Claude Joseph. Claude Joseph, c'est ancien Premier ministre du pays d'Haïti. Claude Joseph, c'est ancien ministre des Affaires étrangères. Claude Joseph, mesdames et messieurs, a été le premier à être sanctionné par Luis Abinader, tout simplement parce que Claude Joseph a dénoncé le racisme dominicain, les ultranationalistes dominicains qui t'a maltraité haïtien, et en même temps tout t'a dénoncé Luis Abinader qui propose que c'est président de l'île. Luis Abinader nous connaît, mesdames et messieurs, qui décidait qu'il y a un ensemble de monde qui va venir la caille. Ça, c'est droit pays, c'est job li pour décider qui est-ce qui va venir, qui est-ce qui va venir. Même si il y a des gens qui pas intéressé tout à la caille. Naturellement, nous connaissons tous les gens qui investissent plein l'argent la caille, qui fait de l'argent dans de mauvaises conditions dans le pays d'Haïti. Au lieu que investir en Haïti, eh bien, il y a le potel bay, M. Abinader. Et bien, je dis à Mounsayo, eh bien, de yon a coupé clou, mesdames et messieurs. Parce qu'il est possible que yon a même carré saisi bien. Et t'as le temps de vite à vous dire, il y a sec, il y a cherché qui est ce, il n'y a pas de bay, non? Non, il n'y a pas de bay, non. Il n'y a pas de bay, non. Non. Naturellement, nous sommes capables de dire qu'il pratiquement a vivre le Dominicaine. En Haïti, la République dominicaine, bien, Ronnie Célestin, on est capable de vivre entre la République dominicaine et Haïti. On est Garcia Del Vaca vivre entre la République dominicaine et Haïti. Maroné l'autre. L'autorité dominicaine a cherché pour arrêter, pour expulser, mais de dans le pays. Nous sommes là, et Vital, nous avons fait une émission, et même les Radio Caraïbes, nous avons dit. Nous te disons que nous souhaitons un pays où nous sommes capables de ramasser ce qu'on fait, côté que nous sommes capables nous-mêmes tout, par des sanctions à des citoyens de pays que nous estimons par un intérêt pays. Nous. Moi, je dis haut et fort sur la Caraïbe, et moi, je dis, mesdames et messieurs, dans la Gazette Haïti, nous te témoins. Eh bien, il y a là, Claude Lagombom. Oui, son bon. Claude, mesdames et messieurs, monsieur écrit le Conseil des ministres, dirigé par Ariel Henry. Monsieur mandait le Conseil des ministres pour sanctionner 53 citoyens dominicains. Parmi eux, Luis Abinader lui-même, prépare pour qu'il dise une cause, pour qu'il cite une cause. Et ça, oui, ça me fait évoquer comme raison pour moi. Parmi eux, Luis Abinader, parmi eux, Leonel Fernandez, parmi eux, Hippolyte Mejía, parmi eux, on s'est député dans le pays ça et de ministre. Naturellement, puis faut là d'ailleurs de voir qu'on fonctionne. N'a pas gagné. Je me suppose Claude pour le faire une autre publication pour la dire nous chaque monde ça yo qui est sûr. Et pour qui ça chaque monde ça yo c'est yo l'indexé dans liste là. Monde ça yo pour qui ça yo monsieur mandé pour interdire entrer dans Haïti. Bambo de trois ça de, par exemple menace pour sécurité nationale pays d'Haïti, corruption à grande échelle, blanchiment l'argent, détournement fonds publics, dilapidation les fonds publics de l'argent Petro-Caribé, nous connaissons ça dilapidation fonds Petro-Caribé, trafic international drogue, comportement raciste avec pratique discriminatoire contre haïtiens, violation droit moun dans traitement migrants haïtiens yo. C'est quelque dans bagage. Dans raison monsieur vous. Dans raison monsieur évoqué. Et Bambaou pendant dit que faut Claude Bay et Mounio Saoye. Gen Ron Madonna, non tire chez des faits matin, c'est directeur Comunidad Digna.
c'est une entité qui crée là pour réduire la contre réduction de pauvreté dans le pays dominicain. Il y a Félix Ramon, qui est ancien sénateur. Ruz Der Arba Jiménez, qui est en forme, c'est ministre de la jeunesse et en République dominicaine. Actuel ministre. Miguel Andrés, qui est député. Aber Martis Duran, qui est un homme politique et avocat. Il était député tout fait en 2019. Je dis, c'est ensemble, c'est mon échantillon de Mounsayo. Et ancien premier ministre, c'est ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, et dit Fok Haïti, le fait piel, Fok lui sanctionner de toi Mounto qui fait brigandaille et Moun qui pas respecté droit Moun en République Dominicaine. Mesdames et messieurs, c'est quelqu'un non que Vital fait recherche sur yo. Même que Claude gagne pour l'explication sur chaque monde pour nous connaître pour qui raison c'est Mounsayo. Mais nous avons noté les raisons qui évoquent, notamment c'est Petro-Caribé. Ah, Petro-Caribé. Il faut ne pas oublier, mesdames et messieurs, puisque c'est 600 millions de dollars américains, l'argent Petro-Caribé qui volait, c'est dans la compagnie dominicaine, comme ça allait. Des compagnies qui prennent l'argent, et bien qui pas poser même roche, mesdames et messieurs, et puis l'argent ça, elle servit intérêt avec l'économie dominicaine. Bravo Claude. Eh bien, ce monde, une compagnie, une personnalité capable de participer dans la dilapider, dans le vol de l'argent Petro-Caribé, eh bien, Vital, c'est de bonne guerre pour Haïti, t'as qu'à dire. Moun sa yo, yo interdit d'entrer en Haïti. Moi, moun kap minimise bagay Claude la. Écoutez, hier là, tout journal dominicain prend du feu. Listen Diario, Pigo quotidien, prend du feu. Diario libre, tout. Matin, Luis Abinader, levé, à coup nouvelle, tête chargée. Pas oublier que Claude c'est principal adversaire monsieur en Haïti. Et bien Claude frappe monsieur fort. Claude dit monsieur, wabaye sanction fantaisie à certains moun. Parce que c'est pas tout pour monsieur et prend sanction pour avoir la caillou qui est incapable de mettre même du feu pour me dire que il va gagner pour ouais. Et pour le prochain. Mais Claude dit Petro-Caribé, c'est Santo Domingo lié. Donc, tout le monde qui mange dans l'agence dans la République Dominicaine, qui participe dans le vol, eh bien, il n'a pas le droit de venir en Haïti et demander à Ariel Henry, en conseil des ministres, pour prendre décision pour ne pas entrer en Haïti. Je dis encore, pour évasion fiscale, Baron de Kessa, mais en pile d'autorité, ça ressemble. Ta! Dans l'évasion fiscale, dans voler l'argent pays ou c'est de l'autre côté, il y a là même qui est même dans Panama Papers. C'est un gros scandale, ça, mesdames et messieurs. Donc, Claude dit, pour raison ça, tout le monde, ça, pas de droit, viens en Haïti, il faut qu'Ariel Henry et le conseil des ministres décident sur question ça pour interdire en Haïti. Monsieur dit, l'autre raison, et raison plus valable toujours, monsieur dit, pour traitement inhumain, pour maltraitance, haïtien a subi en République dominicaine, pour une déportation a fait de manière massive, quand il a séparé Timoun avec maman, yo, et bien monsieur dit, pour Jean, gouvernement ça a humilié, maltraité frère Maxon. Et bien Claude dit Ariel Henry et le conseil des ministres pour raison ça yo faut interdire moun sa rentre en Haïti. Monsieur parlait des associations mal faites tête. Et c'était courageux de la part de Claude. Faut dire le. Mais, vous avez une question pour nous poser, Vidal.
est-ce que il va plus une valeur symbolique? Est-ce que le gouvernement Ariel Henry va entrer et suivre Claude dans la démarche ça? Mais quel que soit les gens, ça passe. Entendez-vous? Si le gouvernement fait la levé ce camp figue pays, s'il n'est pas fait, eh bien, il a montré très clairement que il va avoir Claude raison, qui va acculer comme gouvernement qui était à la République dominicaine. Donc, tout le gens, Claude Gué, parce que Claude par autorité, Claude par premier ministre, Claude par ministre, Claude sont cinq citoyens. Il a rien pour le bain du nom là. Monsieur fait job là. Donc, ballon dans le pied gouvernement.